Je suis tout seul. Le temps qu'il faudra. T'es derrière la fille, toi. Ta 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 ta. Ouais. Hey, salut et bienvenue sur une nouvelle vidéo Team Fortress. Donc j'espère que vous avez vu la vidéo informatrice qui est sortie normalement la semaine dernière avec un petit peu de retard. Et je suis avec ma chère Neko. Crystal Neko Fire, que je surnomme Neko, Neko le chat. Voilà, donc on se retrouve sur un serveur des indépendants. Alors qu'est-ce que c'est les indépendants? Très bonne question. Je vais vous le... Non, pas Stexon. Non, tant pis. Donc je fais ma petite partie explicative, je vais me mettre sur la vue de Krista. Si je la retrouve. Je suis perdu dans l'ombre. Tiens. De là. Voilà. Alors, à savoir que la team des IND, c'est les initiales de indépendant. Donc c'est une team qui a du TF2, du Let's For Dead, du CSGO, du Killing Floor et de la compète de TF2. Donc à savoir que nous sommes tous les deux dans la team TF2. Donc avec Crystal Neko Panda qui est notre scout. Je vais mute les players pendant que je vais expliquer la suite. Et moi, je suis le médic. Donc, qui est dead en ce moment. Donc, je vais pas jouer que médic sur cette partie. Je mettrai peut-être le début de la vidéo. Parce que j'ai fait un. En fait, comme tout bon serveur VSH. On commence avec un mode arena, donc je pense que vous connaissez tous le mode arena et que ça n'a pas de secret pour vous. Et il y avait deux scouts et un médic contre deux scouts. Et que j'ai gagné à deux scouts contre un médic. Et la petite Krista est en danger. Donc le VSH, qu'est-ce que c'est donc déjà, c'est les appellations de... versus Sexton Aid. Qu'est-ce que c'est le Sexton Aid? C'est le gros truc qu'il y a devant Crystal maintenant derrière. Et donc c'est un grand personnage poilu, comme on l'appelle, en mode très résistant, en mode super saiyan. Parce que il a quand même un sacré nombre d'HP. Alors j'ai plus ma commande pour parler. Bah pour parler sur le chat, je vais aller régler ça pour vous montrer sa vie. En attendant que je retrouve clavier message général. Entrez, voilà. Et donc, il a, vous avez dû le voir, il a 6486 sur 9860. Il avait 9871 au départ. Ce qui est quand même. Et mon son, c'est encore baissé. Attends. Ce qui est quand même impressionnant. Hein, parce que bon, ta vie, elle est à 125. Hein, sauf 110 parce que t'as pris la batte. Alors oui, quelque chose de plus important aussi, c'est qu'il fait 220 par coup. Ah oui, voilà. C'est le point suivant. C'est le deuxième point. One shot. Alors il existe. Si je ne me trompe pas, mais normalement il existe un Sexton par classe. Bon, là on en voit. Non. Non. Je vais parler de ceux qui sont sur ce serveur, mais j'ai déjà vu un Sexton L en scout qui était vraiment OP. Donc, le Sexton L, c'est quoi? Le Sexton Ale, c'est le gros monsieur poilu là-bas. Celui-là. Donc, qu'est-ce qu'il a? Bah, c'est un soldier. Il y en a un autre, c'est le cavalier sans tête et sans cheval. Un démoman. Junior, le démoman. Le bunny que j'ai oublié le nom, mais
c'est un démon aussi. Et le Christian Brutal, qui est le sniper. Donc, bah, comme vous pouvez le voir actuellement, c'est tous contre un. Alors, le Sexonail, il a le droit à quoi comme avantage, hein, parce que bon, c'est bien beau d'être d'un super monsieur géant, mais... Plus de vie, plus de force. Alors, il a plus de vie, plus de... Il a la vitesse d'un scout. Non, il va être quand même un peu plus vite. Un petit peu plus vite. Je crois que c'est 102% de la vitesse du scout. Il peut faire un super jump. Donc, si je suis Sexton, je vous le montrerai. C'est assez simple à faire. Il fait... quand bah, il a une jauge de rage qui se remplit, et une fois que c'est à 100%, il fait peur à tout le monde, et durant ça, on peut plus... On ne peut plus taper, on n'avance pas vite. On n'avance pas vite. Bien sûr, sur ce serveur, c'est interdit. Non, le rage est autorisé, mais c'est le rage kill qui est interdit. Le rage kill, c'est on fait une rage et on kill derrière. Et aussi, on ne peut plus sauter, c'est très. Faut le préciser. Parce... Alors, oui, aussi, faut le préciser. Christian de Sniper et le lapin peut tuer en rage kill grâce à leur canon. Et leur... Oui, mais je vais venir sur le. Comment ça s'appelle le... Alors, ça... là, ça vient du 1v1. Donc, quand il reste plus que deux personnes, il y a des mini-crits. Et quand c'est. Quand il n'y a plus qu'une personne. C'est full crit. Ça, je vais en revenir aussi après. Donc, il a pas de dégâts de chute, hein, donc il peut faire de... Il peut faire des grands... Et on peut stomp. Le cavalier sans tête et sans cheval, bah, c'est exactement la même chose que le Sexton, sauf qu'à la place des super jumps, et ben, c'est remplacé par de la téléportation. Aussi, il y a certains. Et le bunny, bah, c'est comme le Sexton, sauf que la rage, ça fait tirer plein de boules de canon. Et bien sûr, il a le droit de tuer avec. Et il a le droit de tuer avec, hein, parce que sinon. Sinon, c'est pas drôle. Et à chaque personne qui tue, il va larguer des œufs qui vont donner des critiques pendant une dizaine de secondes. Une dizaine de secondes, t'es content, quoi. Ah bah du coup, ça sera moi le prochain Sexton, donc ça c'est une bonne nouvelle. Le Christian Brutal, il va donner des flèches au moment de sa rage. Qui est très pratique. 12 flèches au maximum, mais ouais. Fais flash roll pour mettre les règles. Les règles, ils les découvriront tout seuls comme des grands quand ils arriveront sur le serveur. Hein. Ouais, mais alors qu'on avait dit recherche d'augmenter des places, parce que déjà 24 c'est chaud. Bah les règles, de toute façon, elles sont écrites sur le site, normalement, donc je ferai peut-être un copier-coller des règles qu'il y a, et normalement, j'ai prévu même les règles, donc si je dois faire une partie règles, je le ferai. Ils vont tous nous ennuyer, oh non. Bon, bah, c'est une partie minimum, hein. Mon dieu, il saute. Non, mais je suis con. Je saute sur lui. Je disais quoi? Bah, il y en a un truc qui est un ancien dans le channel. Nico. Ah, petite gameuse qui est la deuxième fille des indépendants. À préciser. Bien sûr, moi la première. À préciser. Voilà, voilà. Bon, bah, du coup, on a le droit à un invité surprise durant notre vidéo. Hein, la joie du direct. Du coup, je suis pas sur ta vue encore. Je suis sur ta vue, donc t'es 1G. Avec ton joli ranger du risque étrange. Donc il y a aussi des modifications, il y a des règles et des modifications par rapport à un serveur FFA.
Donc toutes les armes de corps à corps sont en critique, comme vous pouvez voir avec le flingueur. Ben, ça se voit pas, mais... Le pistolet est aussi en critique pour l'ingé. Une raillerie, ça donne quelques secondes de critique. Le rage kill, c'est interdit, comme on l'a précisé. On peut stomp le Saxton sur ce serveur, c'est pas valable sur tous les serveurs. La suite, c'est... Alors... Je vais parler un peu des armes. Je vais jouer Pyro, tiens. Vérifie quand même. Ah, t'as le jeu en anglais, toi. Ouais, moi j'ai les voix anglaises et j'ai le jeu en français. Ok. Parce que je préfère les voix en anglaise. Bah, c'est plutôt normal, moi je trouve. Parce que oui, comme dans tous les jeux, c'est moche en français. Moi, j'ai fait un magot fouilleux. Alors, le power jack, on commence par lui. Parce que je l'ai en main. Le marteau se fait pouvoir, c'est lui. Donc en fait, à chaque fois que je donne un coup, bah là j'en ai pas donné du coup, à chaque fois que je donne un coup, ça va me rendre 75 de vie. Et là j'ai le détonateur. Le détonateur où je peux sauter. Comme ça, voilà. Comme toute arme qui explose à la fin. Voilà, comme quasiment tous les fusils. J'y crois pas, je l'ai fait. Ah non, il s'est suicidé. Il s'est suicidé. Donc sur Pyro, j'ai tout dit. Ah, donc c'est moi. Donc là, je suis avec le Bunny. Il est beau, Bunny. Ouais, et moi, je sors de Nail Under Pro Steve. Et tu me gardes pour la fin, on va faire un petit. As the first Bunny. Bon. Ah, tu me gardes pour la fin, on va faire un petit duel. Pardon ? Bon, tu me gardes pour la fin, on va faire un petit duel. Et là ? Alors oui, d'ailleurs, tu l'as one-shot. Oui. Ça se voit que je one-shot. Alors lui, je vais pas le one-shot parce qu'il fait 200 de vie. Mais lui, je vais le one-shot. Le focus est interdit. Là, je suis... Non. Ok. Là, il est en mode charge. Ça me fait casser. Je prends cher, ma chère amie. De toute façon, il n'aura pas la fin de mission. Bon, j'ai entendu les deux là. Hop, et un coup. Alors, il faut considérer que ce n'est pas vraiment du rachid. Donc voilà, je viens de récupérer un de mes œufs et j'ai. Ah oui, c'est faux. J'ai des critiques. Ouais. Ah si. Le panneau Discord. 3 Discord has worked 0 day. Jesus and accident. Non, c'est une pas tué. Ah ok, excuse-moi. C'est une pas tué, on fait le duel à la fin. Comme si cac après. Donc cac, corps à corps. Ignorant. Vous les deux partout. Eh, ils sont chiants les. Bon, bah, je pense que je vais pas gagner. C'est dommage. Bah, viens au pod discrètement. Tu me mets à avoir 3 têtes et après on fait un petit duel. Viens notre pod. Je suis prêt. Oh, mais non, ils sont deux médics! Oh la vache, j'ai perdu la moitié de ma vie et j'ai même pas tué. Viens, ils sont bons. Viens au spawn. Je suis au spawn. T'as du bois de spawn. Cadeau. Bah lui il l'a cherché hein. Moi, tu me laisseras avoir 3 têtes avant de commencer le duel. Hein.
La force noob, ça devient chiant. Ouais, mais j'ai un truc. Alors oui, quand je parle de tech, j'ai l'Islander, et donc à chaque fois que je vais taper, ça va me donner des PV, ça va me heal, et à partir de 3 têtes, le Saxon ne me tuera plus en un coup. Il devra me tuer 2 fois, et comme à la base j'avais un bouclier, je vois que généralement il me tue en 3 coups. Alors là je commence à reprendre du poil de la bête. Bon, à part que lui, il commence à me gonfler. Oh, le bump. Bouge ton fusil, viens spawn. Putain, j'ai un démon invisible. T'as un destin. Viens spawn, viens spawn. Cours. Ah, si j'étais pas aussi viril, tu me feras le bise. Ok. Tu feras quand tu veux pour venir au spawn. Hein. Mais je viens de passer au spawn, mais t'y étais pas, t'es à l'autre spawn. Bah oui. J'essaie de devenir plutôt discret. Bah j'ai un scout sur moi. Hein. C'était qui que je viens de tuer? Ah tiens, le démon man invisible. Bon bah 662 vies. Bah viens du dieu, viens au spawn. Mais non, mais il n'en manque un. Bah ça, il y en a pas. Viens là où j'étais, viens là où t'étais. Tu l'as, moi. Ok. Bah, viens. Bon, deux, un, go. Olé. La la la. Bon, il est où le dernier? Il est vers le milieu. Ok. J'espère que c'est pas un scout. Oui, c'est un scout. Il a combien de dommages? Il est 29. Je m'étonne pas. Oh là 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 là. Même pas lui qui va tuer. Hein. Oh non, comment je l'ai loupé. Oh, pas de bol. Il a, tu dis quoi? Je sais. Eh ouais. Bah, voilà comme ça. Là, tu bois un peu plus. Donc voilà, moi j'y suis allé au corps à corps. Hein. D'ailleurs, il a fait un petit vol d'année. Ça devient répétitif, ça devient énervant. Ah oui, ouais. Bah j'ai essayé de me baisser pour pas qu'il puisse me toucher. Et donc il y a Silicio qui vient s'introduire dans la vidéo en mode ninja. D'accord, je suis pas ninja, moi. Bonjour Christa. Ah non, c'est Yo. Viens avec toi. Ah mais il m'entend pas du coup. Ouais, sauf qu'on est en train de tourner. Bon bref. Donc, je suis encore en pyro. Bon après les modifications vous les verrez en temps et en heure. Alors à savoir qu'il y a des femmes scouts. Et des pyro. Et aussi des pyro scouts. Voilà moi j'étais en moi j'étais en femme pyro, donc je viens de mourir lamentablement. C'est pas le pyro. Et j'étais en femme pyro, donc en fait ça c'est réservé aux admins, donc comme bah aux admins. Je suis pas admin du serveur, mais comme on fait partie de la. Du membre de la team des indépendants. Voilà. Il a déjà dit une fois. Donc c'est pas grave. Mais là ça il faut dire, c'est que ma vidéo, je fais ce que je veux. Donc les. On va faire la pub pour le serveur. Ouais, on est en train de faire. C'est aussi le meilleur. Non, c'est sérieux. Ah mais moi je suis toujours sérieux.
Ah, attends, mais toi, tu vas toujours par derrière, tu bouges pas dans le forêt, voilà. Attends, viens, viens. Ah, non, c'est voilà. Il aura un petit peu de médecin travail. Il aura habité une parole. Parce ah, ouais, merde. Oh. Ah, bah, il aurait pu le faire. Youmi. Voilà, ça me cassera un peu moins les oreilles. J'ai baissé mon. Ouais. On joue quelle classe après? Moi, je vais faire mon petit tour des classes que j'ai notées. Alors, j'ai pas ma deuxième feuille, c'est bizarre. Bref. Du coup, je vais faire. J'ai jusqu'au démo. Donc, j'ai fait le pyro, le scout, les pistolets sont en mini crit. Et l'exploseur de tente d'ange est interdit sur ce serveur. Or, toi ou pas, mais t'as dit prod d'ange, mais t'es tête d'ange. J'ai dit exploseur de. Bon, bref. Exploseur de tête d'ange, si j'ai dit autre chose, voilà. Eh, dis-moi, t'as pas oublié de lancer chrono, pas là ? Non, il n'y a pas de chrono, on s'arrête quand on veut. Ça fait. Si tu veux que je te dise, ça fait 20 minutes. Mais tu viens faire une vidéo de 3 heures. Non, quand même pas. Donc, le soldier, le soutien du bataillon ajoute 50% au lieu de 33% de résistance au moment où on fait pouet-pouet. Hein, plus 30 de vie au lieu de 20 pour résister à un coup. A savoir que le Saxon fait 220 au grand maximum. Sauf les critiques. Parce qu'on peut avoir des critiques avec le Benny. Ouais, le démoman, le port d'un bouclier donne des tirs critiques à 100%, ce qui est très important, que ça soit au lance-roquette ou avec l'épée. Mais ça, c'est comme j'ai dit en début de vidéo, les armes de corps à corps sont en critique. Et ça donne une de résistance au sextan. Tiens, maintenant Nico est mort. Donc lui, voilà, il. Bah non, moi je suis mort, moi je suis pour une PGM. Voilà, donc lui il a les bottes de combat, je parie. Les bottes de combat, les contrebandiers, voilà. Merci. Oui. Tu veux mes dégâts? Dis toujours. Ah, il n'y a pas un enlevé. Bref, je continue. L'Highlander donne une tête par coup et pas de bonus de santé. Et le demi-Zatoichi, donc c'est valable aussi pour Oui. Pour le Highlander, c'est un peu déjà dit, bon, c'est pas grave. Oui, mais je le rappelle, je fais un tir groupé. Et le demi-Zatoichi donne 33 par coup et peut être rangé au bout d'un coup. Voilà, et on a un beau soldier qui campe, à savoir que la campe est interdite. Il retourne au milieu, saute en l'air. Tu grimpes sur la foule derrière toi. Là, voilà, derrière toi. Non. Je recherche ma dernière feuille. Regarde, dans le coin, tout là-bas. Ah, ok, d'accord, je tombe. Ouais. On fait ça proprement. Tiens, c'est bizarre, je retrouve plus la feuille. Alors, moi, je suis Spike, et toi, tu peux. Je suis un G. Bon, bah tant pis, je vais continuer comme ça à la va-vite. Pour le Heavy, les gants de la retraite urgente, j'ai pas bon aux items. Oh, attends, j'ai un truc important à dire au Spy. Vas-y, dis toujours. En Spy, la Dead Ringer. Vas-y. Ça permet de résister à un coup. C'est comme une montre. Que quand tu prends du dégât, ça les réduit et ça ne te tue pas. Ce qui permet que le Saxon ne te tue pas en un coup. Et te laisse vers les 50 PV, c'est ça? Oui, bah c'est la résistance basique d'un one-shot. Il faut avoir plus de 60 PV pour résister à un coup. Les revolvers donnent des mini critiques. Attends. Ça c'est bon à savoir aussi.
Hop là, c'est si tu as un petit tombe, on va me suicider. Tu en passes en spawn, lui. Ah bah non. S'il vient vers moi, je suis dans la merde. On va me suicider, ça c'est toujours cool. Alors, le stomp a fait 1447 de dégâts et il s'est fait suicider. Ok. En attendant, je change de. Pourquoi mon TF me prend pour un débutant? J'ai pas compris. Et pourquoi pas? Ah, du coup, j'ai encore lingé. Heavy, les points de la retraite urgente enlèvent des points de vie. Des points de vie sur le temps, mais ça c'est confus. Mais ça c'est très utile pour le médic pour augmenter la. La jauge du bas. Oui, alors comme on voit en bas à droite, Zio me précise que c'est 7 HP par seconde. C'est pas ça. C'est 7. Ah, et là, par exemple, je viens de me faire niquer par le Saxon, je viens de me prendre un coup de tête. Et ça fait très mal. Je viens de la récupérer. Il faut que j'aille récupérer des munitions, sinon je suis dans le caca. Le soldat m'a piqué la vie en face de moi, ça qui m'a tué, comme d'hab. Il n'y a pas assez de vie sur cette map. En fait, à 6, oui. T'en serais presque devenu un truc de groupe. Un truc de quoi? Maintenant qu'on est 4. Mais attends, petite gameuse, elle sait pas. Elle est pas partie? Bon, c'est pas grave. Bon, j'explique l'ingé. En fait, on peut remplacer le distributeur par un amplificateur. En faisant 3 exclamations AMP, mais il vous l'écrira au centre de ces vidéos que vous qu'il aime bien faire. Voilà, elle l'a dit. Elle, excuse-moi. Alors, avant de mettre le suicide. Bon, là voilà, je me suis fait avoir. Du coup, je voulais parler du court-circuit, je voulais vous le montrer, mais le court-circuit. Fait peur au Sexton, donc il se retrouve sans. Bah, il se fait bonk en fait. Comme avec le. C'est lui peut-être aller sur la vue du haut, non? Oui, peut-être. Il a son shérif tout poilu derrière du haut. Donc à voir qu'il a lui, il a lock and lush et il a des coups critiques et je crois. T'as encore ton bouclier? Non, t'as perdu ton bouclier, dommage. Ça aurait fait un bel exemple. Du coup, j'ai parlé de l'ingé, j'ai pas parlé du médic, les armes du médic. Alors, les armes de corps à corps sont basiques, ça change pas. T'as bien fait un petit peu médic, est-ce que ça change encore? Oui, mais les armes du médic en fait sont assez spéciales du fait que le medigun il fait le boulot du crit zirk, du medigun et du secours rapide. Ouais. Ah oui, alors on m'a dit qu'aussi le truc un tout petit peu cheaté, c'est quand le pistolet à seringue donne 5% de berge quand vous touchez. Pareil pour l'arbalète du croisé, sauf que c'est 10. Ouais, mais l'arbalète c'est plus chaud. Et l'arbalète du croisé c'est full critique. Et ça fait très très mal. Après, alors, snipe. Une flèche bien placée dans la tête, ça fait 450. Non, parce que les coups. Non, je t'assure. D'accord. Les snipers, là-dessus, il n'y a pas de restriction. Le jaraté enlève 10% de rage. 8. Je croyais que c'était 8. 10. Heureusement qu'il y en a une qui me rattrape. c'est censé être l'inverse. Hein. Ah bon? Depuis quand? Normalement, c'est censé être toi. Hein, dans les games, je connais plus que toi, c'est pas normal. Bah, ça fait plus longtemps que t'es dans la team des IND, non? Ouais, mais ça fait moins de joues que toi. Oui, bon, moi et mes 5000 heures, ça compte pas. Hein. Il y a beaucoup de résistance en AG. Hein. Non, en fait, là, je sais pas si il a fait une fois, mais. Regarde, il le frappe même pas.
Bon, allez, tu le. C'est vrai qu'il frappe pas. Ah, voilà. Bah, voilà. Du coup, là, je vais mettre. Ouais, du coup, quand on fait ça sur le serveur, d'habitude, quand. Bah, il y a un admin. Vous faites slay parce que ça bougie tous les points. Donc voilà, là, je viens de. Là, alors, ça, là, c'est le. Je suis scout. Crystal Brutal Sniper. Christian. Pas bah, Christian. Non, ça dit Christian, non, mais là, où tu crois, là. Oh. Bon, quand même, un peu de respect. À savoir que les pipes font vraiment mal. Oui, 300 de dégâts, en fait. La charge de bouclier aussi. Il par Yvon. Par Yvon, par Duo. Donc, Sozo m'énerve, là, Duo. Oui, c'est vrai qu'on confond. Il va peut-être pas leur penser à changer, hein. Bah, viens là. Je vais pas te faire de mal. Il a ses flèches. Ah bah là, c'est pas, il a ses flèches. Sauf quand on est en lueur. Il a un peu de flèches. J'arrive pas à lui donner un coup. J'arrive pas à lui donner un coup. Je ne me donne pas les flèches, mais attends, j'ai été un bon. Tiens, en scout, le bon catalogue punch qui te rend invincible. Alors voilà, là je me suis pris un dégât, on a entendu un bruit électrique, c'est le rack brosard qui se casse, et en fait c'est pour prévenir que j'ai plus de bouclier. D'ailleurs si je fais une raillerie, normalement il ne viendra pas sur moi à ce moment-là. Oui, là vous voyez que j'ai plus de bouclier et plus de vio non plus, parce qu'en fait il m'a frappé deux fois. À savoir que je lui fais très mal avec les pipes, donc je préfère les pipes que le. Avec les pipes, ça fait 70. Si, il y a du à côté, il y a du 370. Ah ouais, c'est vrai. Mais j'ai jamais vu son âme. T'as vu, j'aide les gens et t'es mort. C'est un bon très exceptionnel que j'ai. Hein. C'est bizarre, mais j'aime quand t'es mort. Trop puissant pour moi. Ah bon, il vient de m'avoir. Désolé. Ah, du coup, je suis sur la vue de Silifio. Qui n'est pas dans la... le challenge pareil. Ici il est sur TS. Pas ah, si c'est là. Merci toi, t'as entendu ce joli bruit. Attends, Zio. Attends, y'a qui ici bateau il en bas, c'est mieux. Non, je protège vraiment mes vies. Genre, d'où t'as un chapeau inhabituel? Moi j'ai toujours eu. Il faut juste avoir joué à mes gens. Oula, t'as récupéré autant de PV que. Il a un petit un peu un médic au cul, hein. Ouais, là, j'avais même pas faire des gars avec ça. Oh, t'as mangé cher. Ah ouais, mais il a mangé cher, c'était un indemnité, là. Dis, wow, je suis dans sa vue. Moi, je fais très très peur. Moi, pareil. Oh, putain, il est dans. Moi, je suis meilleur en médic que lui. Hein. Donc là, on voit qu'il a une arbalète du croisé en critique et que le crit zir qui est équipé, mais en fait, c'est. D'accord. Un cumul, bon, bah voilà. C'est un médic mort. C'est un médic mort. Il va toujours tout au même endroit. Eh, regardez le bug derrière sur le mur de Orgestine et les noms qui courent en direct. Un fantôme. Bon, du coup, je vous laisse un petit coup de. Il est débile ou il est débile? Il met son tuto au même endroit que la dernière fois. Et comment ça se fait que tu sois premier? Ben, je suis désolé dans la. Alors, je prends Evie pour vous montrer, même si ma vie va être. Bah, attends, je me mets médic. Ouais, super. Et là, vous voyez que je perds 7 PV par seconde. Par contre, t'as médic, je suis pas le même médic que toi. Hein. Oui, c'est vrai que meilleur que moi dans la team des IND, ça n'existe pas. Là, je m'envoie des fleurs. Donc ça, c'est un facteur de ben voilà. Moi, oh là là. Mais il me tait, arrête de me prendre pour un débutant. Donc du coup, je vais prendre Spy. Spy. Ah non, okay, non, tu peux t'as pas le droit. Tu as Je sais pas jouer, je sais pas jouer Spy, alors ça va. Ça va, Spy, tu prends la monde des. Oh oui. C'est Cristal. À savoir que la cloak est une dagger. Et merde, ouais, elle marche pas, la cloak and dagger est désactivée.
Hop, ça vient faire un petit carnage. Ouais, mais Guillaume, tu te souviens qu'il est guillotiné? Ah, ok, alors. Moi, je suis mort. C'est là où il y avait la vie. On y revient tout à l'heure. Il faut vraiment pour un con. Ah, oh, c'est fait. Mais non! Je vous laisse un petit. Ah, mon âge, c'est un âge mort. J'ai dit quoi, monsieur Ingé? Ah, tu dis pas l'Ingé. Je respecte plus. Ok, d'accord. Pierre Merlon. Non, t'es... Donc, des mini-critiques sur l'exécutant. Exécutant qui fait bien mal en mini-critique. En crit... L'Ingé qui était là-bas, et là, au même endroit, mais en scout. Il va mourir. Voilà. C'est de la chance. Je suis pas là. Je suis pas là. Pas là. Pas moi. Non. Pas moi. Non, pas du tout. Non. C'est pas moi. Hop là. Comment ça va? Surtout que là, la Dringer, il l'a pas. Voilà. Si la Dringer, je l'ai réactivée, mais avec 61 de vie, ça passe pas. Ah bah oui. Parce que la Dringer activée, ça inflige 67. Bah, le Sexton inflige 67. Bon, bah du coup, voilà. Bah, moi, pour moi, la vidéo, elle est finie. Hein. Je mettrai le gameplay derrière. Pour voir à quel point qu'on est con, qu'on est stupide et qu'on est... Et quelle puissance. Ah bah... Ah aussi, les lacs d'acide, en principe, quand on plonge de... Quand on plonge dedans, bah on meurt. Hein. Si Zivo veut faire le test, mais à mon avis, ça m'étonnerait. Pourquoi t'es en vidéo là? Ouais, là je suis en vidéo. Vas-y, je le fais. Il le fait. Ah d'accord, il le fait. Il l'a vraiment fait. Comme quoi, quand on est en vidéo, on fait vraiment n'importe quoi. Alors oui, là je viens de tomber sur un ingé stupide de revenir au même endroit. J'ai juste eu à attendre et... Oui, j'ai vu. Alors du coup, je me mets sur la vue de Krista parce que c'est la seule des IND qui est vivante. Elle a encore 10 000, Krista. Ah ouais, 10 013. Non, c'est Yvon. Da 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 da. Ce Pierrot n'a rien du tout, tu sais pas. Oh bravo, bah oui. Oh, sur les sons, ça c'est magnifique. Tu vas scouter jusqu'à la mort. Je suis en manque d'affection. Et là, il va faire fuck you. Allez, sur le spécial, dépêche-toi, tu es extrêmement trop puissant. Il reste 2 minutes 40. Pour tuer un scout. Là, en bas, il est en bas. Tout le temps, tout le temps. Bon, je pense que je vais arrêter la vidéo après cette partie. Oh non, oh non. Elle a arrêté ça. Oui. Oh non, oh, comme il t'abrime. Oui, dans l'eau. Oh non. C'est pas de l'eau, c'est de l'acide. Ça tue, c'est mouillé, c'est de l'eau. Oh, c'est oui. Salaud. Tu te mets. Okay. Allez, vas-y, ma petite Neko! Tu le rachis, je te donne. Oui. Ah bah, trop tard. Cours, petit scout, cours! Il est là un peu. Bravo, tu prends la mauvaise porte. Allez, vas-y, tu l'as là, allez. Allez, non, fallait passer de l'autre côté. Tu gagnes du temps. Là, tu vas en perdre, allez, voilà. Allez. Bravo, bravo, il a fait ça. Et toi, déjà d'une, aucun commentaire sur ma puissance. Super, mon poids, ta poule. Okay. Au pire, je peux couper le son de la vidéo. Hein. Ici, c'est moi le maître, parce que je fais ce que je veux dans mes vidéos. Ouais, t'es maître pendant 30 minutes.
Ouais, voilà, en fait, c'est ça. Bah, quand il y a Gloomy, je suis pas totalement maître parce que, bah, voilà, Gloomy, c'est mon associé. D'ailleurs, normalement, la prochaine vidéo que je devrais tourner est avec Gloomy. Last time. Ouais, allez, tu dis toi, tu dis toi, tu dis toi. On va jouer Sexton. Allez, vite, 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 tu dis toi. C'est le bon. C'est le bon. Non, mais il reste 30 secondes. Bon, il est où là, putain? Trop long. Derrière toi. Derrière toi, c'est là. Tu l'as vu, il a plus de vie. Allez, dépêche-toi. Dépêche-toi vite. T'as 35 secondes. 26. Voilà, bravo. Voilà. C'est sur cette belle action de Crystal Neko que je vous dis au revoir. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de mettre un commentaire tant que c'est constructif, ça fait plaisir. Je vais pas jouer. Commentaire constructif. Oh. Ouais ou non, parce que j'ai eu des commentaires style ouais t'es con. Ah d'accord. Ah d'accord. Ceci est très constructif d'ailleurs. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Moi, je vais supprimer ce commentaire hein, parce que franchement. Oh bah mais là, je suis tranquille. Allez. Oh, j'ai une tête de feu. Il m'a donné une tête de feu. Je vois pas où il est. Ah bah il est là. Ah aussi, on peut activer un petit point qui permet de modifier la visée. Tiens, j'ai oublié d'en parler. Bon bah j'ai regardé la vidéo de 30 minutes. Ouais. Bah là elle fait plutôt 40 que 30. Hein. Ah non, c'est pas possible. Ouais, je verrai. Je verrai. J'ai bon, plus... regarde, va au-dessus. Y a une snipeuse au-dessus. Bon bah voilà, on a fini, je suppose. Bah la vidéo non, mais je mets la fin du gameplay, après avec le son je sais pas encore. Je sais pas jump. Bon normal, il m'a détesté Zio parce que j'arrête pas de m'embêter hein. Et mais ça c'est parce qu'on on aime bien se taquiner. Entre membres des indépendants. Je vais demander aux spectateurs, ceux qui ont des surnoms, de donner à Zero, à moi ou à CP. Et si on les trouve marrants, et on s'appellera comme ça dans la prochaine vidéo, il est notre. D'accord, ouais. D'accord, bah, y a pas de problème. Hein. Ça peut être rigolo. Bah, ça peut être rigolo, mais après, je suis pas sûr que j'ai beaucoup de monde qui commente. Je sais pas, 25, c'est déjà trop. Hein. J'ai déjà oui une vingtaine d'abonnés, c'est déjà pas mal. Et dont moi dedans. Et Zio et certains autres que je connais. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais la question qu'on me pose le plus en ce moment, c'est à quel autre jeu joues-tu? Ben, je joue à Team Fortress, hein, c'est déjà pas mal. Un peu du Spear Arknight. Un peu de ça. Moment, j'ai trouvé un jeu d'horreur. Ça amène les gens. Un peu de Star Conflict. Et... Ouais, tu me diras les trucs que tu fais pour tourner comme ça. Moi, j'ai tourné des trucs aussi. C'était caché. Vas-y, tu me notes le dans le stream. Ouais, ce que tu utilises pour tourner. Quick Time Player. Non mais non, tu me marques en conversation TV, moi je m'en fous. Hein. Oui mais c'est un truc gratuit pour Mac, c'est pour ça que la qualité est pas super super. Oh bah on en a une qui aime bien spammer le canal hein. Bah quoi, faut dire un peu quoi. Attends, vous voulez voir un peu là, comment c'est? Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vais me troller. Ah, il reste assez peu, là, le sénéchal. Assieds-feu, assieds-feu. Olé. Allez, assieds-feu qui va perdre. Oula, où c'est le gros pêche. Oula, où est le gros pêche. Oula, là, 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 là.
Rien à foutre. J'ai 2 de vie. Et je continue à frapper. Ah merde. Bon bah voilà. Après ce epic fail de ma part. Bon, sur ce, la fin, hein, mais je l'ai déjà dit. On est quand même les premiers, quoi. Ouais. Bon, allez. A plus, les amis. Ah, merde, je me suis déconnecté. Je vais le mettre dans la vidéo, je le sens. Bon.